Et nous voici de retour pour la suite de notre aventure sur Secret of Mana. On va essayer de battre ce putain de boss. Rien n'est plus sûr. Le temps existait avant nous, il était juste pas encore défini. Exactement. L'homme a défini le temps. On est en plein débat philosophique, hein, ceux qui arrivent sur YouTube. L'homme a défini le temps, mais le temps existait avant lui. Il était juste pas, j'allais dire rationné, mais c'est pas le bon terme, mais... Il n'était pas défini, tout simplement. Comme le transfert de Bruno. On veut plus de lui. Alors, on se remet dedans. Va avoir besoin d'amarre. Oh, la boue, ça tape. Hier, on faisait full. Hier, on faisait full. Éclair. Là j'ai fait boue et ça tape 100 à 100 plus. Déjà ce boss. Bah on est à plus de la moitié du jeu. Je dirais une fusion en train de faire un petit piaf avec. Et en vrai là j'ai fait random la boue. Parce que c'était le premier truc qui m'était proposé. Et ouais ça tape à 100 plus. J'ai pas regardé de tuto, j'ai pas regardé de Solus, j'ai rien regardé du tout, les gars. J'ai. Je garde le plaisir de la découverte. Putain, il reste un point de magie. On peut tenter le lierre. Vas-y, Amar, lierre-le! Ça lui fait aucun effet. Allez, on va donner la dernière noix pour Mamarillo de la mañana. Il aspire la vie d'Aria. Amar toujours récalcitrant à m'écouter. Tu vas à ton rythme comme moi avec RE2, c'est environ une heure de jeu par jour avant de me chier dessus. Putain, si on le first try, ça serait incroyable. En plus, la boue, oui, elle tape plus fort parce qu'elle est niveau 3, alors que notre éclair, on l'a pas train. Donc il doit être niveau 1, l'éclair. J'ai été con hier, je pense la fatigue. C'est vrai que la boue, on l'a tellement fait que. Oh, Amar il passe niveau 4 en magie. Putain. Ouais, c'est en les utilisant. 241! Putain, on n'a plus rien. 230! Putain, faut pas faire les cons. Oh là là, les dégâts qu'il fait Amar. Oh fuck. Ok, faut qu'on soigne Aria. Voilà. Aria, c'est pareil, elle se soigne à 500 maintenant. Bon, va falloir le taper quand il ouvre ses ailes, pardon. Ça va être compliqué. Allez, Amar. Attends l'ouverture. Ok, Amar se fait victime. Il récupère 50 points de vie. Pompe énergie. Allez, c'est maintenant. Putain, j'ai pas réussi à le toucher. Allez, bien joué, dommage, ça a tapé qu'à 3. Ok, faut qu'on soigne Amar. On les soigne nous tous. Let's go, bien joué, Aria. Et encore. Dommage. Enfin, je pense qu'il est mal. Hein. Je pense qu'il... Franchement, vaut mieux qu'il spamme les glaçons plutôt qu'il spamme le pompe énergie. Ah, fait chier. Parce que là, et là, ça le régène. Allez, ok. Il s'est régène pour rien. Il s'est régène à 50, on lui reprend 50. Aria perd connaissance. Putain, j'ai pas le temps de le taper. Il a tellement une fenêtre de je sais pas comment dire. Mais qui est tellement ridicule. Putain, il a repris 85. Ah, oh, fait chier. Ok, on lui prend 25.
On lui prend 48. Dommage. On lui prend 48. Oh là, on a géré. Encore. Encore, oui, c'est parfait ça. Amar voit la mort. Merde. Putain, j'ai pas eu le temps. Oui, 48, c'est bon ça. Là, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. C'est pas grave pour Arya, on peut la régén. On peut la régén. On va la régén. Allez, on régène Arya. Arya est régène, elle va nous soin. Ok, elle n'a pas soin. Ok, il lui a pris 25 points de vie. On lui en prend 46. Ah merde! Allez, allez, refais ton pattern. Dommage. Allez, allez, refais. Allez. Allez, pose-toi. Pose-toi. Ok, il a endormi Arya. Allez, pose-toi. Oui. 46. Allez, pose-toi. Oui. 49. Putain, et merde. Allez, encore. Encore. Arya se soigne. Arya se soigne. Ah merde. Allez. Ah, j'ai mal joué. J'ai mal joué. J'ai mal joué. Allez, pose-toi, connard. Non. Oui, ok, c'est bon. J'ai cru que c'était pompe énergie. Oui. Putain, mais non. Mais refais tes gauche-droite, allez. Putain, refais tes gauche-droite. Ah, pompe énergie, fait chier. Ok. On lui a repris ce qu'il nous a pris. Il m'empoisonne. Putain, on peut tellement pas le toucher. Fait chier. Et ouais, il nous prend 62 points de vie. Oh. Faut pas le toucher, hein. Arrête avec pompe énergie, frérot. Fais glaçon, glaçon. Arrête de jouer intelligemment. Voilà, glaçon. Putain, j'arrive pas à le toucher. Ah, c'est tellement dommage. Il nous manque une noix. Une noix pour qu'Amar, il lui pète le cul, quoi. Ah, fait chier. Mal joué. Ok. En fait, faut pas que je spam. Si je spam, il prend aucun dégât. Faut vraiment que j'attende. C'est genre là, j'attends. Ça a rien de spammer. Si je spam, il prend même pas 4 de dégâts. Il va m'endormir. De dégâts. On va reprendre la chocolat. Pas eu le temps de le tape. Ah, j'ai pas eu le temps de le tape. Allez. Non, pas pompe énergie. GG Arya. Ah, merci à Maître Toucan. Hein. Il nous a ralas. On en avait. Un chocolat.
46. Le problème, c'est que comme il fait du pompe énergie, ça stagne en fait, quoi. Le problème. On va tenter un move. On va tenter un move. On va ramener Arya. Ah non, on la ramène, elle est déjà KO. Et on va ramener Amar. En plus, ils sont malins. Hein. T'as beau régène un mec, il récupère pas ses points de magie. Hein. Allez les gars, je compte sur vous pour taper. Allez. Arya, est-ce que tu peux soin encore? Allez, tu vas te soin. 46. Amar, il se fait grignoter les fesses. Et on me dit qu'il aime ça. Et... 46. Allez, allez, allez. Est-ce qu'Arya a encore du soin ou pas? Elle a encore du soin. Tu vas soin à Amar. Attends, il lui reste combien de soins? Il lui reste... 3... Ça coûte 2... Bon, tu vas soin tout le monde. On speak. On speak. Allez! On n'a jamais été aussi près. Non, pas pompe énergie! Et chier, il a repris 58. Faut vraiment qu'on le tape dès qu'il ouvre ses ailes. Faut pas perdre de temps. Ok. Ah putain, K22. Ok, 48, on est bon. Allez, Amar, résiste. Ah, j'ai plus rien pour soin. Là, c'est la dernière ligne droite. Faut que ça passe. Non, pas pompe énergie. Tu peux pas. Allez, hop, prends-moi ça. Putain. Oh, fuck. Allez, relève-toi. Relève-toi, gamin. Me fais bouffer. Quand je m'éloigne, il atterrit, il me troll. 49. Allez là. Non, j'ai raté. Non, j'ai raté. Non, j'ai raté. Je sais même pas comment il m'a touché là. Allez, s'il te plaît, reste sur ton pattern, reste sur ton pattern. Encore. C'est incroyable, c'est un sac à PV. Non, j'ai raté. Non, j'ai raté. Oh putain. Faut juste pas qu'il fasse pompe énergie. Ok, dodo, dodo. Quand il meurt, lui, il meurt jamais. Frérot, regarde comment on lui a mis des bails de 200 au début. Je sais pas combien il lui reste, mais... Incroyable. Oh non, pas pompe énergie. Il récupère 61. On se fait glaçonnade. C'est la fin. On récupère 49. Il me fait une magie, c'est fini. Ah, j'ai raté. Non, imaginez, c'était le coup fatal. Non, 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 pas de magie. Pas de magie, pas de magie. Non. Relève-toi, 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 il fait le pattern en plus, on peut l'avoir là. On a empoisonné. C'est fini. Faut pas qu'il fasse une magie. Pose-toi. Pose-toi. C'est fini. Il est trop dur. Il est trop dur. C'est incroyable. Par contre, j'ai envie de tenter un truc. Parce que Arya, elle peut voir combien il a de PV. J'ai envie de voir combien il a de PV en fait, ce connard.
C'est dans quelle magie? C'est dans celle-là? Non. Enfin, déjà, faut être sur Aria. Non. Ah, voilà. Elle va l'analyser, on va voir combien il a de PV. Et Amar, du coup, bah, on va full la magie de la boue. Il a 2000... Il a 2500 PV! Je crois qu'il avait écrit 2500 PV, hein. Comment tu veux le battre, 2500 PV? Explique. Tu m'expliques? Je crois qu'il avait écrit 2500. Après, il y avait tous ses stats, il y avait les... Il y avait ses points de magie et tout. Oh, j'ai mis un coup critique. Allez, Amar, prends la noix. Allez, faut que ta magie ait l'XP. 194. On dort Aria. Faut qu'Aria se soigne. Aria, soigne-toi. Amar aussi, il aurait besoin de soins. Hein. Vas-y, soigne les trois. Soigne les trois. Putain, quand ils veulent pas écouter comme ça. Ok, tu veux faire des bails de magie. Peut-être pas. Bah, mon collègue, c'est un magicien. Tu t'en prends un marre comme ça? Pas qui c'est toi dans l'espoir. Un marre, par contre, faut m'écouter. Oh là, il s'en prend à Amar. Il a compris que c'était le GOAT. Il a compris. Amar s'est fait fumer. Amar level up sa magie. Putain, dommage. Franchement, il nous manquait une noix. Ce putain de boss mur là, il nous a mis dans la merde. Les mecs, ils enchaînent les boss. Franchement, c'est... Eh ouais, là, on a plus rien. Et là, on a plus rien. Aria va nous soigner et on va lui refaire une analyse. Allez, on refait une analyse. C'était où déjà? Analyse niveau 0. Il lui reste 400 PV. 480 PV, les gars. Il lui reste 480 PV. Sachant qu'on a plus de magie. Faut qu'on essaie de faire le calcul quand il nous en prend.
480. Ok, là il en reste 440, on va dire. 440, on va dire là 420. On soigne rien. 420. 420. Vous pouvez pas taper, les gars. Tapez! Tapez! Non, pas maintenant. Soyez dans le bon tempo, les gars. Ok, il reprend l'énergie. Il repasse à 500. Oh, c'est insane. Il repasse à 500, le bordel. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, mais qu'est-ce que tu veux faire, gros? 600. Regarde ça! Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de reprendre autant d'énergie. Allez, mais quand il ouvre, faut taper, les gars, vous avez pas le bon tempo. Fait glaçon, c'est bon. Alors carrière et soigne. Alors il y a claque un soin. Amarre une petite magie. Ok. Il récupère. 55. Fais glaçon, y a pas de souci avec glaçon, mon pote. C'est dans le Ricard, c'est stylé et tout, y a pas de problème. Non, pas de pompe énergie. Frérot. Putain. Soin. Ok, il y a que Amar qui a besoin de soin, on va lui donner du choco. Chocolat sans gluten. Alors. Vous. Oh, il se fait enchaîner au sol. Amar perd conscience. Frérot, je viens de te soin. Bouffe pas tous mes chocolats. Il a mangé tous les chocobons. Il se fait enchaîner au sol. Touche pas à Amar! Amelo! Bon ça. Pompe énergie. Non, non, non! Toute ta vie tu veux pomper Amar, ça va! Au bout d'un moment!
75. Pompe énergie, putain. Allez, Amar, putain, claque ta magie! Voilà, tu vas mourir là. Tu vas mourir, frérot. Non! Oh, j'étais soin avant. Oh, ça a annulé l'attaque, je crois. Par contre, là, je pense qu'il a plus de. Ah, si, il en a encore. Allez, boue niveau 3. D'ailleurs, elle a pas XP la boue. Pompe énergie niveau 4. Il prend 60. Il m'endort. Allez, les gars, je sens que ça, c'est le bon try. J'ai foi. J'ai foi en nous. Non, mais commence pas, par contre. Commence pas à récupérer 95 points de vie. Amar qui level up. 27. Prends ses dégâts. On charge. 243. 47. Ok, on n'a plus de magie. On n'a plus de magie. On va soigner Amar. Et on va faire une analyse. On va lui faire une petite analyse au type. Il lui reste... Ah putain, j'ai pas vu. Les gars, j'ai pas vu. PV. Wow, c'est insane. 900 PV. On doit lui enlever 900 PV à l'épée. Mais comment faire? C'est impossible. Je comprends pas. Comment tu veux faire? Qu'on développe une strat. Je sais pas laquelle, mais... Je sais pas quelle strat, mais faut qu'on strat. En 26 de dégâts, lui. Oh, bien joué, ça, Amar. Il prend 3 dégâts. Amar s'empoisonne. Ouais, mais j'ai plus de soins. Je sais pas si Ariel avait encore de la, des points de magie. On va tenter de la revive. Pas pompe énergie, putain. Oh putain, le bol! Content! Il vient de reprendre 100 points de vie. Je vois pas comment on peut le battre. Franchement... Avec une seule noix, c'est impossible. Une seule noix, impossible. Regarde ça. Il vient de reprendre 130 PV. Tu veux faire quoi? On peut jamais le toucher! Ce fils de pute! On peut jamais le toucher! Putain.
pas le toucher. Oh, j'ai une idée. Oh, j'ai une idée, les amis. On vient d'avoir une révélation. Et si, grâce à Arya, elle mettait un pouvoir sur notre épée, genre pouvoir de... Elle a quoi comme pouvoir? Genre ça, là. Sabre de pierre. Parce qu'on dirait, il craint les attaques de la boue et tout. Genre le Dotonne, tu vois? Le Dotonne. Tu connais le Dotonne? Il craint le Dotonne. Donc, est-ce qu'on bufferait pas notre épée? Pour faire plus mal. On va tenter. Allez, on va retenter. C'est parti. Alors, Arya. D'automne. D'automne sur tout le monde. Amar. Tu commences ton d'automne aussi. Voilà. On tape à 116. Ah, mais on a fait un coup crit. Ça veut rien dire. Ça aurait été trop beau pour le vrai, tu vois. Tu comprends? On tape toujours à 26. Ça fait rien. Le boss là est faible à un élément que tu n'as pas encore. Et c'est possible que ça buff un poil tes dégâts quand même, j'imagine. J'ai pas l'impression. Hein. Genre, en même temps, il est tellement dur à taper. Je tape à 26. Ça a rien changé. En vrai, ça a rien changé. Peut-être un autre élément. Peut-être on se met l'épée de foudre, je sais pas. On va tenter dès que nos épées elles seront plus en surbrillance. Le problème, c'est les noix. Comment veux-tu battre ce boss avec une seule noix? Je vous le demande. Il va l'endormir. On va tenter autre chose. Vas-y, on va tenter autre chose. On va tenter autre chose. On va tenter le sabre de foudre. Pour moi. Ok. Faut que je puisse le taper. 46. Ah! Ouais non, quoique. Les autres fois aussi, on tapait à... soit à 20, soit à 40. Donc... En vrai, ça change rien. Ce n'était qu'une joie de courte durée. Mais joie quand même. Et ça, c'est important. Et ça, c'est bon. On a eu de la joie pendant quelques secondes. Amar, faut taper quand même un jour. Voilà. Va falloir soin les postes. Alors, soin les postes. Le feu? Je peux dire qu'il nous casse bien les noix. Vas-y, on va tenter le feu. Hein. On va tenter le feu. C'est bien vu. Why not? On va tenter l'épée de feu dès qu'elle va se réveiller. Elle est réveillée, mais elle est encore au sol. Il la travaille au corps. Allez. On tente. Épée de feu. Merde. Putain, je tape à côté. Je suis une espèce de sous-merde aussi, c'est incroyable. Rien à défait. Compliqué cette histoire. Compliqué cette affaire. Il level up sa magie.
Allez, pose-toi! Bien sûr, on va soigner Yama. Ou encore, putain, il peut plus. Il nous manque une noix, une seule noix. On aurait start le combat avec deux noix, c'était bon. Mais non, forcément. Si, mes magies, bah. Mes magies les plus hautes, elles sont niveau 4, quoi. Mais même comme ça. Même comme ça, c'est pas suffisant. Parce que, comme c'est juste après le combat du mur, et qu'on a claqué pas mal de noix là-dessus. Et du coup, on a commencé le combat avec une seule noix et. Il en faudra au moins deux. Pompe énergie, ça c'est le problème. C'est le problème. Le pompe énergie. Allez, lève-toi. Pompe énergie, toujours, toujours. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, c'est plié. C'est plié. Plié. L'attaque. Je te demande de faire une attaque, tu veux pas la faire. Là, frérot. Compliqué cette histoire. Je sais pas comment on va le battre. Hein. Magie faiblie. Non. Ah putain, mon épée elle était pas rechargée. Fuck. Et comme eux ils peuvent pas taper. Ils peuvent pas taper parce qu'ils sont morts toute leur vie. Ils sont morts. Oh, coup critique, 118. 118. Non, 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 pas ça! Mais mec, attaque glace, mais pas pompe énergie! Et rêve-toi vite! Vite! Il est en pattern! Eh ouais, parce que t'es un fils de pute. 47. Ok, c'est pas mal. Je me précipite. C'est un peu une erreur de jeunesse. La fougue de la jeunesse, comme dirait Guy Sensei. Bon modèle dans la vie. Toujours le sourire, toujours la banane. Genre. Pff,
Oui! Oui, papy! La fougue de la jeunesse de Guy Sensei. Pose du mec cool. Pouah. Je suis fier de dire que j'étais là ce jour-là. Merci. Où est Tom? Aria, partons. Oh là 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 là. Je vais bien, je le trouverai. J'en suis sûr. Ah, j'arrive pas à y croire qu'on l'a fait. Ah, j'y croyais tellement pas. On a dû le crit, je sais pas. Il a dû se manger un coup à 100. Putain. Allez, on quitte les lieux. On aura mis deux parties pour le buter. Hein. Deux parties. Deux fois 45 minutes. C'est quand même quelque chose. On va essayer de trouver la sortie. Au moins, il n'y a plus les mobs. Ouh, franchement, j'y crois à moitié. Ah oui, ok, je me rappelle. Où il fallait baisser les pics. Château labyrinthe. Ah. Ah. Je m'en rappelle, mais visiblement pas suffisamment. Par où est-ce donc? Ah, je suis perdu. Oh quoi? Oh quoi? La sphère de l'épée, putain, on va pouvoir up l'épée. Jure. Oh, on va pouvoir l'up deux fois. Oh, mon super pote Vulk. Mon super poteau Vulk. Par contre, c'est où là? La sortie, wesh. On arrivait de là, non? Perdu, ça y est. Perdu dans le château. Château sans fin. Ah non, on est arrivé de là. On est arrivé de cette porte. Je sais plus. Ah oui, non, là on s'enfonce dans le truc. Donc c'était par là. Par là. Bah, ici ça doit être... peut-être cette porte. Porte. J'ai du père là.
Théma, il y a trois portes aussi. C'est l'histoire sans fin là. Ben voilà. On est sorti, enfin. Bon, on va quitter cette zone parce que cette musique, j'en peux plus. Elle rend fou. Ok. Bon. On n'a pas vu. D'ailleurs, il n'y a pas Vulk dans cette. Bien Vulk qui s'appelle. Hein. Oh, je l'ai pas vu dans ce bled. On va pas tarder à cut. Ah oui, ici, putain. Ici, ça va être la guerre ici. On avait vu ça la dernière fois. Est-ce qu'il n'y a pas juste un shop? On puisse racheter tout ce dont on a besoin. Le waifu. Ici, c'est le café. Peut-être qu'il faut, il va falloir aller leur parler. Ah, bah, c'est peut-être là-dedans qu'il y a un shop. Je sais pas. Ouais, c'est bien là qu'il faut aller. Qu'y a-t-il? Je vois, Tom est... Bon, n'abandonne pas. Nous savons que Thanatos manigance quelque chose. L'empereur veut une trêve. Et soi-disant la paix. Nous devrions donner une chance à l'empereur. Nous avons fait changer d'avis l'empereur. C'est ce que nous attendions. Viens, partons. Viens avec nous. Après cette réunion, c'est la fin de votre voyage. Nous continuerons. Viens avec nous, ok, mais tu nous as pas dit où? Tu nous as pas dit où, mon poste? Bon, on va faire une save. Et on va couper là pour cette partie. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Des bisous, YouTube.